Salut à tous, c'est Eric Le Gauche et Galago Musique. Bienvenue sur ce tutoriel concernant le morceau Mistral Gagnant qui fait suite au sondage que j'avais proposé il y a quelques semaines et qui vous permettait de choisir quel sera le prochain tuto. Celui qui était sorti en tête de liste était Show Must Go On que j'ai fait il y a 2 semaines. Et donc pour vous aujourd'hui, ce super titre de Renaud écrit en collaboration avec Jean-Philippe Good et qui est sorti en 1986 sur l'album Mistral Gagnant. Sachez que cette chanson a été désignée en 2015 comme le titre préféré des Français, voilà, rien que ça. Et pour l'anecdote gourmande, les Mistral Gagnant étaient un bonbon en poudre pétillante comme ça qu'on prenait avec une paille en réglisse. Et si à l'intérieur du sachet, au niveau du rabat, il y avait marqué gagnant, et ben on avait gagné un paquet de bonbons gratuits, voilà. Alors sur cette vidéo, je vais pas traiter l'intégralité du morceau, hein, sinon ça ferait une vidéo qui va durer 1 heure, c'est relou pour tout le monde. Donc je traite l'intro, le couplet et le refrain. Sachant que les couplets et les refrains qui suivent sont encore un peu différents, même carrément différents, mais je pense que vous aurez déjà fort à faire à ce que je vais vous montrer. Allez, on y va. Alors on attaque la première partie, l'intro. Mon do du milieu est ici, voilà. Et nous on va commencer sur le si qui se trouve quasiment une octave au-dessus. Vous allez placer le pouce à cet endroit-là. Alors déjà, la main droite. Alors ça va commencer comme ça. Si, ré, si, si, la, mi. Voilà. Pouce 2, 5, 5, 4, 2. Voilà. Ensuite, vous allez avancer l'index dans les touches pour que le pouce puisse attaquer le do dièse et ça va donner ça ensuite. Do, mi, do, do, ré, do, si. Au niveau du doigté, j'ai fait pouce 2, 5, j'ai rejoué do dièse, mais avec le 4. Après 5 sur le ré, parce que sinon on n'avait plus de doigts, do dièse à nouveau, si avec le 3. Ensuite, je replace mon pouce sur le ré pour faire ré, fa dièse, ré, ré, mi, sol. Donc là, c'est pareil, j'ai fait ré, fa dièse, ré à l'octave petit doigt, et je remplace ce petit doigt par le quatrième, parce qu'on a besoin du mi juste après. Et sol blanche, et pour terminer, mi, sol, fa dièse, do dièse, la dièse, ré, si, et fa dièse, ré. Alors pas vite du début, 1, si, ré, si, si, la, mi, ensuite do dièse, do, mi, do dièse, ré, do dièse, si, ensuite ré, fa, ré, ré, mi, sol. Et ensuite, mi, sol, fa dièse, do dièse, la dièse, ré, si, fa dièse, ré. Alors travaillez-le par petits bouts. Là, l'avantage, c'est qu'on a bien la mélodie en tête, donc c'est assez facile de se repérer. Néanmoins, on va voir la main gauche, et vous allez voir qu'il y a des placements qui ne sont pas forcément évidents, donc il faut le faire vraiment fragment par fragment. Alors je vais prendre un peu plus le temps pour la main gauche, justement. Main gauche qui va commencer sur le si, une octave en dessous de là où avait démarré la main droite. Donc mon do du milieu est ici, j'attaque juste à côté, d'accord? Et je mets le petit doigt dessus. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ah! Alors si, fa dièse, si, d'accord? Et après j'irai chercher le petit doigt là-bas sur le mi pour faire mi, si, mi et sol, avec le deuxième doigt qui passe par-dessus. Quand vous faites un passage de doigt par-dessus, le poignet ne tourne pas, hein, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Vous restez bien dans votre positionnement, hop, et vous jouez normalement le plus naturellement possible. Au niveau de la découpe rythmique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va démarrer sur un La. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai fait le même principe, je suis parti du La, Mi, La, je passe mon 2 par-dessus sans tourner le poignet, Do dièse et Mi au pouce. Et là on a fait les 3 premières mesures de main gauche. Je vous refais ces mesures-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivi ensuite de Sol, Ré, Sol, Si. D'accord. Donc c'est les mêmes écarts hein, que les mesures précédentes, sol, ré, sol, le 2 par-dessus, pour aller chercher la tierce de notre sol majeur. À la cinquième mesure, on va repartir du si, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la mesure 6, je repars très loin sur le mi grave, comme on avait la mesure 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rejoue les 6 premières mesures, bah vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesure 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesure 5, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la mesure 7, on va faire Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, La dièse, je passe le 2 au-dessus. Un petit Do dièse pour terminer. Rythmiquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et fin de l'intro, la 8e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dessiné à nouveau un Si mineur, qui est la tonalité d'ailleurs de notre morceau. Donc Si, Fa dièse, Si, Ré. Voilà. Vous essayez d'apprendre tout ça par cœur, vraiment pas plus que deux mesures par deux mesures. Une fois que vous avez bien vos mains séparées, on va pouvoir commencer à bosser mains ensemble. Alors on démarre en anacrouse, c'est-à-dire que les deux premières notes de notre mélodie de main droite, Si, Ré, avant qu'on attaque le Si aigu, commencent toutes seules et à la fin de la mesure. Donc la vraie première mesure commence quand on attaque le Si petit doigt, et c'est à cet endroit-là que la main gauche commence également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et... Donc il y a plein de petits décalages comme ça. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatrième mesure. Ma main gauche va super loin sur le sol grave. Do dièse à la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf ! Les quatre premières mesures depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, mesure 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesure 6, 2, 3, 4, 5, 6. Mesure 7, je fais Fa dièse, Do dièse à la main droite. Je vais chercher Fa dièse à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 8e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin de l'intro. Donc soyez pas pressés, hein, l'apprentissage de cette partie peut peut-être vous prendre un jour, deux jours, une semaine peut-être. Vous vous affolez pas, c'est normal. Donc une fois que vous avez bien bossé tout ça, ou si vous voulez le faire tout de suite, on va rajouter la pédale. Donc la pédale, c'est ce petit truc là qu'on voit au bout. Quand j'appuie dessus, avec le pied, elle devient noire. Et quand j'appuie plus, elle redevient jaune. Comme ça, bon, ça permet de repérer l'endroit où je dois changer la pédale. Pour vous y retrouver plus facilement, dès que vous changez de mesure, vous allez changer la pédale. Voilà. Ce qui donnerait, sur le premier Si Ré, vous faites rien du tout. Et ensuite, on va commencer à enfoncer. 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer le premier temps de la mesure d'après. Mon pied est toujours enfoncé. Mais en revanche, dès que j'aurai tapé ce premier temps, hop, mon pied se relève et réappuie tout de suite. Ce qui va créer du coup un tuilage, c'est-à-dire qu'on aura la sonorité de la fin de la première mesure sur le premier temps de la seconde mesure. Et comme le changement est rapide, les deux sons ne vont pas se mélanger. Si, Ré. Si, Si, La. Je change. 2, 3, 4, 5, 6. Je change. 2, 3, 4, 5, 6. J'appuie, je change. 2, 3, 4, 5, 6. J'appuie, je change. 2, 3, 4, 5, 6. J'appuie, je change. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, oh là là, 1, 2, désolé, 3, 4, 5, 6, 1, j'appuie, je change, 2, 3, 4, 5, 6. Après, c'est le début du couplet, donc il va commencer à chanter. Alors, petite démo pour vous montrer ce que ça donne. Je chante pas, hein, je vous laisse faire. La main droite et finissait sur Fa dièse Ré à la fin de l'intro, et ben on va repartir de Fa dièse Ré, et ça c'est bien cool. Alors la particularité de ce morceau, c'est que rythmiquement, toutes les mesures, quasiment, ça va changer de signature. C'est-à-dire que des fois on va être à 12-8, des fois à 9-8, des fois à 6-8. Donc dans les faits, des fois je vais compter jusqu'à 12, des fois jusqu'à 9, ou des fois jusqu'à 6. Pro, je joue directement avec la pédale. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai fait Fa dièse Ré, après je me suis déplacé comme la pédale est enfoncée, le son dur. Donc 1, 2, 3, Ré, Si, 2, 3, après Si, Fa dièse, après Ré, Si à nouveau, deuxième mesure, on retournera sur Fa dièse Ré. Voilà. La main gauche va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ! Les deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a fini la mesure. Deuxième mesure, je réattaque Fa dièse Ré à la main droite et je réattaque Si à la main gauche. En le comptant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyeh. Alors je repars de la mesure 2 et je vous le fais volontairement tout de suite, mains ensemble, mais pas vite du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est trop joli. Et après, on tapera un sol à la main droite, tandis que la main gauche se déplacera sur un mi à cet endroit-là. Et on fera 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le même principe que ce qu'on avait dans l'intro. On est sur un accord de mi mineur. Je vais faire mi, si, mi, et je passe le 2 par-dessus pour taper sol. Pendant ce temps-là, la main droite a tapé un sol et reste enfoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a fini la troisième mesure. Mesure 1 à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va retrouver des mesures à 12, 8. Alors, quatrième mesure du couplet, on va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc à la main gauche, j'ai fait La, Mi, La. J'ai compté jusqu'à 11 et à la 12e croche, on rejouera le Mi. À la main droite, pendant ce temps-là, on va voir Mi, Do dièse, après Do dièse La, après La, Mi et après Do dièse La. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok ? Mesure 5, on va rejouer Mi Do dièse à la main droite et on va rejouer La au petit doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un petit peu moins vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mesure suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Alors à la main gauche, j'étais jusqu'au Ré qui se trouve là et j'ai fait Ré, La, Ré, Fa dièse avec le 2 par-dessus. Nous sommes sur un accord de Ré majeur. À la main droite, on est sur un Fa dièse qui va durer 4 croches et ensuite on va faire Ré avec le 2 et pouce sur le Mi juste après. Donc la sixième mesure du couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, on a fait la moitié du couplet. Ouais. Alors, tout le couplet depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on est donc sur la deuxième partie du couplet. Arrivé ici, vous allez faire exactement la même chose que la première fois à deux croches près. Deuxième partie du couplet, c'est donc quand il dit « puis donner à bouffer à des pigeons idiots », tout ça. Donc, 1, 2, 3. Là, c'est exactement pareil. Leur filet des coups de pied pour de faux. Et là, attention, à la main droite, au lieu de faire Mi, Si, je vais faire Mi, Ré. Voilà, bon. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous refaites comme la première fois. Hein. Mais c'est juste, bon, ça varie un petit peu. Je recommence le début de cette deuxième partie du couplet. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Ensuite, pareil que la première fois. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ça va changer à nouveau, puisqu'on va faire Ré, Do dièse, au lieu de Ré, Mi, comme on avait la première fois. Parce qu'on va arriver sur le refrain. Donc je reprends cette mesure-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vous joue le refrain une fois. Alors, début du refrain. Sur la mesure précédente, on faisait Ré, Do, dièse. Je vais attaquer la note Si avec le pouce. Et je vais faire à la main gauche Sol, Ré, Sol. On est sur un accord de Sol majeur. Donc, Si, 2, 3, Si, Ré, Sol, Si, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Je termine bien avec un 4 à la fin de ma mesure. Encore, première mesure du refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je vais attaquer La dièse, Do dièse à la main droite, tandis que la main gauche va faire Fa dièse, Do dièse et Fa dièse en arpège. On est sur un accord de Fa dièse majeur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était la deuxième mesure de mon refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai fait ça, la troisième mesure du refrain, ça va être de jouer Ré à la main droite avec le 4. La main gauche va se redéplacer sur un Si avec le petit doigt et on va faire Fa dièse, Si. Ensuite, la main droite va rejouer un Ré, mais hop, en substituant par le pouce pour faire Ré, Fa dièse, Do dièse. Je vous reprends depuis la mesure précédente le Fa dièse majeur. 1, 2, les bons becs fabuleux. 2, 3, 4, 5, 6. Ha! La quatrième mesure, on était sur un Do dièse, hop, on va jouer le Ré juste à côté à la main droite. La main gauche va se placer sur un Sol et jouer ensuite Ré, Sol. On est sur un accord de Sol majeur, à nouveau. Alors, 1, 2, 3, Ré, Sol, La, Si, Sol, Ré, Si. Et la main gauche répond Ré, Sol. Encore ça. 1, 2, 3, Ré, Sol, La, Si, Sol, Ré, Si, Ré, Sol. Ensuite, je vais faire La dièse, Fa dièse à la main droite avec Fa dièse au petit doigt à la main gauche. Elle jouera ensuite Do dièse, Fa dièse. On est sur un accord de Fa dièse majeur. Enfin, on le retrouve à nouveau. Donc, on va faire 1, 2, 3. Ensuite, Do dièse avec le 2. Je passe le pouce en dessous pour faire le Ré, Mi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que rendu ici, on aura besoin du pouce et du 3 pour faire Ré, Fa dièse avec Si à la main gauche. On retrouve notre Si mineur et on va faire ceci. Fa dièse, Si. Ensuite, la main droite répond Ré, Fa dièse, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on est quasiment rendu à la fin. Il nous manque deux mesures. Je vous refais depuis le début du refrain et puis comme ça, on termine. Alors, les deux croches qui précédaient l'arrivée du refrain étaient Ré, Do dièse, premier temps du refrain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième mesure 2 du refrain, toujours un. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La dièse, Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les Mistral. Gagnant. Excusez-moi, il fallait que je le joue. Hein. Donc l'avant-dernière mesure du refrain, vous faites un La à la main gauche et à la main droite, on va arpéger un accord de La majeur auquel on va doubler la quinte. C'est-à-dire qu'on va faire Mi, La, Do dièse, Mi. Mon piano n'est pas droit, je ne sais pas s'il a bougé en cours de route. Hop.
Donc vous pouvez plaquer l'ensemble, c'est-à-dire jouer les quatre notes de main droite d'un bloc et le la de la main gauche en même temps. Comme ça, ça marche aussi. Si vous voulez que ça fasse encore plus joli, vous faites les notes dans cet ordre-là. La, mi, la, do dièse, mi. Et vous essayez d'enchaîner tout ça notes le plus rapidement possible, un peu comme si c'était une harpe qui jouait. Encore plus rapproché. Et là, vous avez un accord arpégé. Joli. Et les mistras. Et le plan de la fin qui est trop chambé. Alors comment je fais? À la main droite, je vais faire la sol ré. Donc ce qui compte c'est le ré. Le la sol, c'est deux petites notes rapides. D'accord, donc c'est ré qui compte bien. Et quand vous attaquez le ré, la main gauche va jouer. Alors elle est à cave, hein, elle est sur un sol. C'est la note la plus grave je crois qu'on avait depuis le début. Elle va faire ça. Sol, ré, la. C'est tout. Parce qu'après la main droite, elle va venir ici, donc mon do du milieu est là, je joue la note si qui est juste à côté, et je vais faire si, ré, la. Alors déjà ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que vous arrivez là, c'est la main gauche qui vole par-dessus la main droite pour faire ré, sol, ré. Dès que ces notes-là sont jouées, la main droite rejouera la note la, puis par contre après sol et mi. Voilà, pour finir votre plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, bim, et on atterrirait sur le deuxième couplet. Ce qui concerne les explications, moi je m'arrête ici, puisque sinon ça va faire un tuto qui va durer une heure et demie. Donc dès que vous êtes rendu là, bah, vous referiez exactement la même chose. Donc si vous voulez continuer de chanter la chanson, bah, vous referiez ce qu'on a fait pour le premier couplet, et puis ça marcherait très bien. Donc du coup, je vous fais les deux dernières mesures du refrain et je fais comme si je reprenais le premier couplet. Alors. Et les Mistral gagnants. Bim. Voilà, ça marcherait très bien, vous referiez la même chose. Le deuxième couplet est pourtant vachement intéressant parce qu'il change. Bon, évidemment, la grille harmonique est la même, mais au niveau, je vous le joue quand même pour le fun. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie. Étant donné que tout le registre est devenu grave. Si jamais c'est plébiscité, oui, je ferai la suite du morceau, mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pouces bleus ou beaucoup de commentaires dans ce sens. Et avant de réclamer quoi que ce soit, bossez-moi déjà bien ça, ok? Écoutez, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Si vous trouvez que je fais du bon travail et tout ça, vous pouvez également, si vous le souhaitez, me faire un don. Sur le site, il y a un lien PayPal qui permet justement de donner la somme que vous voulez, soit par PayPal, soit par carte bleue. En gros, je fais passer le chapeau. J'en parle jamais, mais enfin, on m'a dit que je devrais, donc du coup, voilà, je vous en cause un mot. Allez, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !